Bonjour à tous, bienvenue sur Arkylon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In The Boîte du Léopard 2 A5 A6 au 1/72e de chez Border Model. Alors j'en ai parlé dans mon dernier unboxing café. D'habitude c'est vrai que le 1/72, pardon, je fais pas de revue de boîte spécifiquement, souvent c'est des petites boîtes avec peu de grappes. Là je trouvais que ce kit, voilà, ce qui m'a frappé c'est la taille de la boîte qui est assez énorme par rapport à d'habitude. Là vous voyez j'ai le King Tiger de chez Trumpeter, très joli kit aussi, et vous voyez la boîte est quand même beaucoup plus petite, donc je me suis dit qu'il méritait sa petite revue de boîte, surtout au 1/72e, on n'en voit pas tant que ça en termes de blindé. Donc voilà, donc cet achat, pourquoi je l'ai pas, comme j'ai déjà expliqué, mais je réexplique pour ceux qui n'auront pas vu le unboxing café, j'ai pas acheté en choisissant le char, en me disant je veux faire un léopard, c'est plutôt que le Panzer IV Border Model est un kit absolument magnifique et un des plus beaux que j'ai eu dans les mains jusqu'à maintenant. Donc je me suis dit j'aimerais bien voir ce que ça donne au 1/72e, donc voilà, ils ont que ce modèle là au 1/72e qui reste néanmoins un magnifique char. Voilà, le léopard, il a vraiment une sacrée gueule et tout, sa tourelle est magnifique, donc ça va être un vrai plaisir toutefois de le monter. Donc voilà pour cette partie là donc il a sa petite revue de boîte part, donc vous allez pouvoir faire le A5 A6. La différence c'est quoi? C'est la longueur du canon et son calibre. Donc voilà, belle boîte blanche, le blindé est bien présenté. De toute façon les boîtes de chez Border sont vraiment sympas. On va faire un petit tour de boîte, donc sur le côté il vous présente voilà tout ce qu'il y a sur le kit, donc les parties qui peuvent être voilà, ça on peut le, alors il met rotate parts, mais bon voilà, on peut les ouvrir, les fermer. On a aussi le choix ici sur les trappes de les présenter ouvertes ou fermées, plutôt sympa pour du 1/72 parce qu'en général tout est moulé d'un bloc et puis bah, on n'a pas forcément spécialement d'options. Pas mal aussi, très bon point, c'est que les, tous les maillons là, de chenille, alors il y a des portions voilà, longues comme ça, mais le reste, il y a du maillon par maillon et puis des petites portions un peu plus petites, donc c'est pas mal, on n'est pas sûr du tout des chenilles en caoutchouc comme on voit des fois là en plastique mou, là c'est vraiment du dur, vous allez le voir après dans la revue des grappes, c'est plutôt sympa. Et puis ici, il vous présente, voilà, vous pouvez le mettre en mode opérationnel ou non, hein, donc avec ici le rack qui est sorti ou qui est fermé. Et puis voilà, vous avez les parties A5, A6 optionnelles en fonction du modèle que vous allez choisir. Donc voilà, canon plus court sur le A5 et ça c'est le A6. Donc voilà. Ensuite, sur le côté, bon bah pas grand chose de spécial, on retrouve les références et une présentation. De l'autre côté, on continue, voilà, alors ils ont recréé les lignes de l'anti-slip, là, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a une modification sur le, au niveau, a priori, il y a le nez du canon est séparé, il y a la petite machine gun, voilà, donc là ils redonnent la partie avec l'anti-slip, etc. Donc ça c'est plutôt sympa, vous allez voir, la pièce est très jolie. La caisse, et puis on a aussi ici, ça c'est une pièce d'un bloc qui sera à peindre et qui sera sympa, qui est vraiment ouais, comme ils mettent fine details, et c'est vrai que c'est pas mal. Et puis il y a cette partie là ici avec les bombes fumigènes et tout ça qu'on va pouvoir monter comme on veut en fonction de la 5, la 6, et on a même une petite pièce de photo découpe, et on a les deux câbles en métal, voilà, qui sont fournis avec. Donc plutôt pas mal, sans plus attendre, on va s'ouvrir cette petite boîte. Donc dedans, vous voyez, la boîte est grande, hein, elle n'est pas pleine ras la tronche, mais voilà à peu près. Alors elles sont déjà ouvertes, parce que j'ai déjà fait la revue des grappes que vous allez voir juste après, qui est bien sympathique. Donc voilà, on a tout étant sachet séparé, sauf pour les grappes identiques, celles des chenilles. Donc voilà, vous avez la caisse ici, vous avez ici juste le dessus. Ici, ils ont mis la caisse avec la photo découpe et les décales. Là, vous avez une pochette grappe double, mais sauf que là, on est vraiment hein, sur la même chose. Donc, c'est ce que je disais, les chenilles, vous allez les voir beaucoup mieux après. Mais vous voyez, c'est sympa quand même. On est sur de la chenille plastique. Il y a quand même pas mal de détails. Et puis, ce qui fait la taille de la boîte, c'est cette grande grappe. Hein. Vous voyez, le détail pour du 1/72e, c'est quand même franchement sympathique. Et puis ensuite, on a la notice du blindé qui est là. Donc, qu'on va voir juste après un petit peu en détail. Donc sur ce, les amis, je vous laisse apprécier la revue des grappes sur fond bleu. Hein, vous m'avez dit que ça vous plaisait bien, donc je continue comme ça, on ne change rien. Et on se retrouve juste après pour étudier un petit peu la notice ensemble. Thank you.
Alors, j'espère que vous avez pu apprécier la revue des grappes, hein. Donc vous voyez, pour du 1,72e, on est pas mal, hein. Il y a beaucoup de détails dessus, vraiment, je suis assez surpris, et bon, voilà, ça confirme ce que je disais avec Border Model, voilà, on a des kits vraiment qualitatifs, vraiment tout est propre, il y a quasi aucun flash et tout ça, vraiment sympa, donc voilà, plein de détails, pour du 1,72, c'est plutôt cool, et voilà, ce sera pas un modèle forcément super long en plus à monter, puisque vous avez vu, il n'y a pas tant de pièces que ça, et puis il y a beaucoup de pièces qui sont moulées au 1,72, qui sont directement moulées dans la caisse, etc., il n'y a pas, voilà, on ne va pas rajouter les trappes, etc., mais on aura quand même un petit travail de photodécoupe et tout ça, donc je pense que ça peut être voilà, un très bon modèle pour débuter sur du 1,72e en termes de blindé. En termes de prix, on n'est pas très élevé, on est à 22-24€, je crois, à peu près, donc ça va. Ça reste assez correct, et puis voilà, ouais, je pense que ça peut être, pour un débutant, ça peut être pas mal, modèle qui m'a pas l'air très compliqué, parce que j'ai déjà regardé la notice, pas très très compliqué à monter, et puis un bon exercice, plein de détails et tout, ça peut faire un modèle vraiment super sympathique. Donc tout de suite, on va regarder cette notice, donc qui est pas habituelle pour moi, hein, qui est en mode un peu accordéon, vous voyez, qui se déplie comme ça. Donc on va se faire un petit peu de zoom, histoire que vous puissiez voir correctement. Voilà, du coup, je pense qu'on est pas mal, je vais essayer, alors papier glacé, donc évidemment, je vais essayer de vous éviter les reflets, donc on commence, voilà, à monter le canon. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre sur les S3, S2, S1, ils vous mettent un peu toutes les pièces optionnelles, tout ce que vous allez pouvoir mettre. Attends, j'essaie de refaire le focus, qu'on voit bien. Voilà, ils vous mettent toutes les pièces optionnelles que vous allez pouvoir mettre. Et en fait, S1, S2, S3, ça correspond au modèle derrière que vous allez choisir. Donc comme ça, ça vous donne une petite feuille de route. Voilà, si vous partez sur le S1 ou le S4, vous savez qu'en option, vous allez prendre ces pièces-là, ces pièces-là, ces pièces-là, qu'on va voir ensuite après sur la notice. Donc après, on attaque là. Non pas avec la caisse, mais avec la tourelle. On a déjà le choix d'option de les mettre en mode opérationnel ou pas. Donc fermé ou ouvert, vous avez le choix. Bon, la notice est claire, hein, il y a des petits symboles, ils sont expliqués. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu vous montrer cette page-là en première, donc qui fait la revue des grappes aussi. Voilà, toutes les pièces que vous avez dans le kit. Et puis c'est là aussi où vous avez l'explication de chaque petite icône, de chaque petite légende. Quoi. La légende est là. Ok, du coup, on repart page 1, on refait du zoom. Voilà. Là, c'est la partie où on met les fumigènes. Donc, il y a plusieurs options aussi. Je pense que c'est cette partie-là qui prendra finalement presque le plus de temps sur le blindé. Parce que là, voilà, elles sont presque unitaires. Donc, il faut toutes les coller une à une et tout ça et prendre bien son temps, même si ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, donc, on passe à l'étape 4 avec nos fameuses trappes qui peuvent être présentées ouvertes ou fermées. Donc là, super bon point Border Model. Super sympa toujours de pouvoir les ouvrir ou les fermer. Donc ça c'est cool, il propose les deux pièces, en fait vous allez pouvoir choisir. Alors j'ai l'impression que ça va faire un peu de flou, mais tant pis, je vais pas avoir trop le choix. On continue avec la partie ici photo découpe sur les cages arrière, donc très sympa, bien joué aussi de les avoir fournis Border Model, c'est plutôt cool, ça fait un petit travail à la photo découpe. Après on attaque vraiment la caisse avec tous les roulements, les galets, etc., hein, comme d'hab. La notice est claire. Après, on arrive à l'étape 8, donc, qui est justement le plan de montage de nos fameuses chenilles, donc, qui sont fournies, comme je disais, voilà, là on le voit bien, hein, en grande portion, plus petite portion et maillon par maillon. Donc là, on verra ce que ça donne, mais sur un kit 1,72, c'est plutôt sympa de les avoir en plastique. Les fameuses lignes de fer là, qui sont fournies hein, dans le kit, il y a une grande ligne, il faudra la couper en deux, mais voilà, c'est fourni dans le kit, super, top. Alors là, franchement, c'est pas du plastique, on a vraiment le métal et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Énorme bon point aussi. Et puis là, bah voilà, on arrive déjà à la fin du kit, hein, où on va mettre nos jupes, on va poser la tourelle, mettre la petite MG au-dessus, un petit peu de PE à faire. Et puis, on aura terminé. Donc voilà, un montage en 10 étapes qui ne me semble pas très très long. Alors, on va terminer la revue de la notice avec les modèles qui vous sont proposés. Donc, il y en a 4 proposés dans ce kit, 2 à 5, 2 à 6. Donc, ces deux-là, A5, A6, avec le camouflage allemand, là, qui est bien sympa. On a ici le A6 en version polonaise, donc vous voyez, hein, c'est le marron qui est un petit peu plus clair, donc qui est sympa aussi. Et puis moi, celui qui a retenu toute mon attention, c'est le 2A5 qui est là avec un camouflage expérimental. Donc j'ai déjà trouvé quelques photos réelles du modèle sur Internet, hein, il a vraiment été produit. Donc voilà, je pense qu'au 1,72e, ce sera un super défi, ce camouflage en carré comme ça, hein, presque un peu numérique. En plus ça pourrait être sympa justement de le présenter sur une petite route bétonnée, ça j'ai jamais fait, donc ça sera un bon essai avec un petit bas côté, ça pourra faire très sympa, et puis un vrai défi du coup à cette échelle là de faire du masquage comme ça pour faire les petits carrés, comme ça on verra tout ça ensemble, voir comment j'ai pu réussir à réaliser ça. Et concernant les peintures référencées, ce sont les peintures de chez MIG, chez Border Model. Donc voilà les amis, un kit bien sympa que je suis content de vous présenter comme ça, je trouve qu'il méritait vraiment, hein, je le redis, son
In The Boîte. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité une nouvelle fois. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures.